comment on fait quelques mètres près, à la hauteur de la falaise, et sous la pluie. Et on fait sa formation il y a environ 5 millions d'années, période correspondante en fait à la fin de la dernière phase de soulèvement du massif. Et depuis cette époque, toute l'eau qui est tombée sur le plateau s'est infiltrée par les fissures. Mais auparavant, à la traversée de l'atmosphère, notre eau de pluie s'étant chargée de gaz carbonique est devenue acide et par la suite elle a pu dissoudre un peu du calcaire qu'elle a rencontré. Stalactites fistuleuses, messieurs, dames, il faut que dans une caverne soient réunies deux conditions mécaniques d'une extrême simplicité. Il faut tout d'abord que la voûte soit horizontale, presque, mais il faut aussi que le débit de l'eau d'infiltration soit très faible et très lent à la fois. Ça, c'est les conditions essentielles. Et pour la régulation du débit, il y a à la base de chaque fistuleuse une toute petite fente qui est invisible, qu'on appelle une micro-fissure, un espace dans lequel l'eau ne coule plus. Et après des expériences réalisées par des scientifiques, on sait que dans une micro-fissure, il ne s'écoule en moyenne qu'une goutte